spontanément. Les années 90. Je pense qu'il a été longtemps militant, supporter des villages florentiens aussi pendant plusieurs années, beaucoup d'années de bénévolat, de dévouement. Chez nous, c'est quelqu'un qui encourage beaucoup, qui renseigne beaucoup. Alors ça nous fait plaisir de souligner. Qu'on peut, je pense que tu peux rajouter aussi comme une référence dans le domaine de la sauvagerie. Tout à fait. Oui. Donc, et aussi pour le ministère des Ressources naturelles du Québec. Oui. Qui a emprunté ses carnets à un certain moment pour. Il a besoin d'informations parce que ça n'existait pas. D'informations à l'intérieur. Ils ont eu besoin de mes notes que j'avais écrites pour leur aider dans leurs études. C'est exactement ça, comme Jean-Claude, Jean-Claude fait ça, il fait des inventaires de sauvagines depuis si longtemps que même les professionnels en biologie des différents ministères se réfèrent à lui. Puis je ne serais pas surpris que le Service canadien de la faune lui envoie un manteau à un moment donné. Eh bien, merci beaucoup. Bravo! 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 Je ne suis pas personne de mille mots. N'emmenez pas de nom parce que j'aurais peur d'en oublier. Je remercie tous les membres. L'association des amis du parc des rapides. Continuez le bon ouvrage, continuez aussi à protéger le milieu. Donc, moi, j'ai commencé depuis les années 90, et puis, on aura toujours la chance d'avoir les oiseaux qui sont dans le sauvage ici. Alors, je vous remercie beaucoup de ce trésor. Merci. Bravo. Couvrez votre plaque pour la photo, s'il vous plaît. On va prendre une photo. Mets-toi un côté. Léo. Une photo avec Léo. Ouais. Léo.